Bonjour à toutes et à tous, les amis, c'est V25 et aujourd'hui on se retrouve pour la 9ème saison du Hunger Games PokéPot. Et aujourd'hui, pour cette saison, ce sera une saison plus facile que d'habitude. D'où, eh bien, la suite, eh bien, Ismon. Cette saison, il y aura, eh bien, 36 joueurs. Comme vous pouvez le voir, il y a Fadrien, moi-même, Sidonino, Théoroc, Tinali, Riolf, Egglepuncture, Diflix, Linkyu, Laura, Isokazama, Magikou, La Fille de Tout, le joueur mystère, évidemment, Zoemer, Shaolino, Tarzov, Price, Taekwondomil, Amelia.nev, Galaxy, Celsia, Nobodimi, Le Lapierre 2, Brebis Galeuse, Karamiror 04, Damiano 318, XX1 Novel XX, Random, La Soufflante, Mr. Cartman Esclave, Wembo, la Team Pokepot, Rich, Ashitonaito et une nouvelle participante, Foxfox Cookie, eh bien, une superbe amie que je me suis faite, eh bien, il y a un petit moment. Du coup, j'ai voulu qu'elle participe à cette 9ème saison. Certains sont de retour, certains ne sont pas là. La saison 10 sera bien une saison anniversaire. Certains d'entre vous le savent déjà. Du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de saisons en ce moment. Allez. Également, le taux de mortalité est au plus bas. Il n'y aura pas d'event mortel. Et il me semble que c'est tout. Du coup, voilà. C'est parti. Nous allons procéder au Hunger Games. Alors, du coup. Vu qu'il y a quand même pas mal de participants, je vais juste vous dire ceux qui font des trucs, sinon ça va être beaucoup trop long et beaucoup trop chiant. Alors, Riwolf prend un sac. Le joueur mystère trouve un sac. Galaxy fait un arc. Random trouve une bouteille d'eau, je vais appeler ça comme ça. Tinali trouve des couteaux. Egglepuncture trouve de quoi pêcher. Hop, Wembo trouve un sac, Isokasama trouve un trident, etc. etc. Après, c'est du stuff de base. Pas très intéressant, on va dire. Le joueur numéro 1. Le Leb voit de la fumée mais décide de ne pas y aller. Sidonio collecte des fruits. Amelia.nev découvre une rivière. Mr. Carman Esclave pousse le joueur mystère avec son trident. Egglepuncture part chasser. Isokasama eh bien, tombe accidentellement dans une mine explosive. Diflix stalk Pokéken 5, Magikou pêche, Random eh bien, travaille une colline, oui évidemment. Laura pratique le tir à l'arc, Wembo divertit Ashitonaito, Price découvre une rivière, Linkyu empoisonne la soufflante, Rich explore l'arène, Galaxy fait peur à Taekwondomil, Riwolf collecte des fruits, Celestia, Zoemer et Brebis Galeuse malheureusement Unbush. Tombe sur Karamir 04, Shaolino et Damien 0318, dans lesquels eh bien, il meurt. Excession Neolexis trouve de l'eau. La fille de tout pousse Théoroc. Fifadrien eh bien, essaye de pêcher. Et la team Poképot reçoit des explosifs tandis que Tinali chasse Nobodimi et que Foxfox Cookie meurt d'une infection. La pauvre première saison, elle meurt dans les premiers. Du coup, 9 morts. Sachant que cette saison, on est 36. Hein. Tardos 19, le joueur mystère, Isokasama, Linkyu, Celestia, ZMR, Borigalos, Foxy Fox Cookie et Théoroc. Procédons eh bien, à la nuit numéro 1. Nobodimi et Random font du feu. Damien 0.18, Shaolino, le Leb, Taekwondomil et Egglepuncture dort en shiftant. En même temps, Fifadrien, la fille de Toei Pegan 5, chante des chansons. Fan de volet, eh bien, reçoit de l'eau. Pareil pour Ashitonaito, la soufflante eh bien, shoot une arrow sur la tête de Galaxy. Rich empoisonne la bouffe de Price. Karamiror convainc Tinali de lui faire un gros câlin. Diflix fait un camp. Sidonio reste éveillé. Amalia.df fait à manger. La team Pokébot pense à chez eux. Riwolf fait des cauchemars. Pensant Wembo saigne. Laura passe off exclusion hein, comme la scène précédente. On ne sait toujours pas ce que ça veut dire. Et Magikou. Qu'on va à Mr. Calm Esclave de lui faire un gros câlin. Ce premier épisode, j'espère que vous aura plu. On se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est V25 et je vous dis enjoy.